On reste aux îles sous le vent. Nous vous en parlions en avril dernier. L'émission de santé des pédopsychiatres n'avait plus eu lieu depuis le début de l'année. La faute à des problèmes administratifs. Le problème est désormais résolu. Une équipe est arrivée à Eyatea pour 4 jours. Une maison a été louée spécialement sur place pour que les agents puissent recevoir les patients chaque jour de 8h à 16h. On écoute ces réactions recueillies par Julien Vescovalli. Pour moi, il est vraiment important que cette équipe soit là une fois par mois. Pas seulement pour moi, pour mon bien-être, mais pour les enfants aussi. Cette équipe apporte beaucoup à nos enfants. Le travail qu'ils font avec, pour certains parents, pour moi, c'est très important. L'information, on continue sur Polynésie la première, Internet et réseaux sociaux.